Ce vendredi 7 juillet 2023, la nouvelle saison de Ninja Warrior démarre sur TF1. Comme chaque année, ce sont Denis Brognard, Iris Mittenard et Christophe Beaugrand qui seront à la présentation. Mais lorsqu'il n'est pas en tournage, ce dernier retrouve son luxueux nid douillet en banlieue parisienne. Si est reparti pour une nouvelle saison. Ce vendredi soir, TF1 relance la compétition de Ninja Warrior. Tournée à Cannes comme chaque année, l'émission sera encore une fois présentée par le trio désormais incontournable composé de Denis Brognard, Iris Mittenard et Christophe Beaugrand. Il s'agit toujours d'une belle parenthèse professionnelle pour ce dernier, qui est revenu sur le caractère colérique du présentateur de Koh-Lanta. Mais qui est néanmoins bien heureux de retrouver, une fois le tournage terminé, son havre de paix en banlieue parisienne. Sur Instagram, il en ouvre parfois les portes et fait assurément rêver sa communauté. Pour cause, si est un bien exceptionnel qu'il a acquis en 2018 avec son mari Ghislain Gerin, après avoir vendu sa maison en Essonne, nichée dans la forêt et qui était déjà superbe. Au milieu d'un terrain clos de 927 m², l'intérieur de 160 m² comprenait alors 6 pièces réparties sur 2 étages, une salle de bain, 2 salles d'eau et 3 toilettes. En plus d'un séjour de 40 m² sur terrasse, l'habitation offrait aussi une cuisine équipée. À l'époque, Christophe Beaugrand avait réussi à la vendre pour près de 700 000 euros. Un aménagement exceptionnel, difficile donc de croire qu'il a réussi à trouver mieux et pourtant, si est bel et bien le cas. Comme en témoignent ces photos, l'animateur de TF1 a monté le niveau d'un cran en s'appropriant une grande demeure avec piscine, un énorme terrain et tous les aménagements qui vont avec, comme un lit de jardin, des transats, un salon d'extérieur, une grande table pour déjeuner dehors et plus encore. Histoire de rendre le lieu idéal pour son fils Valentin, né le 9 novembre 2019 par mère porteuse, Christophe Beaugrand lui a par ailleurs installé un trampoline, une balançoire et même une petite cabane. À l'intérieur, si est tout aussi sublime. Moulure au plafond, une belle cheminée, du parquet ancien, de la faïence au sol. Le couple a trouvé la perle rare. Les jours de pluie, Christophe et Ghislain peuvent même se réfugier dans leur belle véranda. Bref, rien ne manque pour qu'il y coule des jours heureux. Ninja Warrior, ce vendredi soir sur TF1 dès 21h10.